Riots and civil disturbances are on the increase everywhere. Press reports from around the world show that many such demonstrations, whether peaceably intended or not, have developed into riots, with resulting police casualties, loss of life, and property. There are professional agitators who can inflame tempers and turn into bloody riots with resulting anarchy. It can happen here, wherever you are. It's a police problem. Je voulais savoir, en fait, si tu avais un commentaire sur la façon dont tu as été traité, accueilli aujourd'hui pour venir assister à l'Assemblée de Petrolia en tant qu'actionnaire. Oui, en tant qu'actionnaire, ben. Il y a eu un petit épisode de perturbation au début de l'Assemblée des actionnaires. Puis après, j'ai essayé de... Tu sais, je suis sorti en donnant... En disant aux gens qui étaient responsables du contrôle des entrées et sorties des actionnaires, je leur ai dit, je reviens. Ouais. Il n'y avait comme pas vraiment de raison de m'empêcher de rentrer. Fait, il y a des flics qui sont arrivés. A career in law enforcement is difficult and demanding. Ils ont juste contrôlé l'entrée. Once an officer has taken his oath of office, he steps from the backstage peace and privacy of civilian life into the permanent on-stage spotlight of public scrutiny. Si je l'avais laissé en dedans, ma peur... Vous prouveriez mon droit d'aller à l'Assemblée des actionnaires. Allons-y. The line is a formation useful in denying an objective to a crowd. For example, blocking an entrance or gate. Monsieur Bolduc a pris la décision de ne pas nous faire rentrer. C'est pas clair si j'étais journaliste pour la presse. En tant que média, est-ce que vous avez pu nous dire? Non. On n'a pas vraiment d'entrée ici. Non, mais vous avez pu rentrer en intérieur. Je t'arrête aux portes, mais deux policiers nous ont empêché de rentrer. OK. Fait qu'ils bloquent les médias de rentrer. Ouais, c'est ça, nous aussi. Petrolia a le droit de faire comment? On veut pas. Mais c'est parce que moi, je suis déjà allée aux assemblées, puis ils m'empêchaient pas d'entrer. Parce que j'ai déjà été à l'assemblée. On nous invitait même à venir. Ouais, c'est ça. Et malgré le fait que je leur présentais mon papier d'actionnaire, ça bloquait. Je l'attends calmement, je suis Monsieur Guy là-bas, là, qui a peur de m'accompagner, on pourra les réunir. Tout ce que je veux vraiment, c'est être ici. Et être qui je suis, je me trouve en fin de compte, première loge. Et je prête ma porte, toutes les princesses. Tu vas y aller avec lui? Tu vas y aller avec lui? Si c'est pas vrai, tu vas ressortir. C'est ça. C'est clair que la police est là pour protéger ces entreprises-là. Ils sont pas là pour nous protéger, nous. Moi, je It's not easy to be a good police officer. The oath he takes is not something he can put on or take off like a coat. It carries grave responsibility. C'est surtout que c'est une entreprise privée que la direction
empêcher même un actionnaire citoyen d'avoir accès à des informations importantes. Quand il y a des forages sur le territoire, sans consultation, on ne peut pas appeler la police et leur demander d'arrêter les travaux, même si ces travaux-là sont illégitimes, même si les lois ont été trafiquées pour leur permettre de faire ça impunément. His whole way of life must change. The public expects him to be a Superman, and he must strive to be one. Vous avez pris des bonnes images, vous aussi? Ouais. Par contre, si on va dans une assemblée des actionnaires leur dire, parce que c'est ces gens-là qui sont responsables des forages qui se font en ce moment en Gaspésie, on s'en va leur dire dans leur assemblée d'actionnaires, puis là, tout d'un coup, la police intervient. On voit à quoi ça. Comment ça, c'est mythique, ces menaces-là? Le gouvernement est actionnaire de ces compagnies-là. Ils ont 16 % Ressources Québec a 16 % dans Petrolia, puis ils ont 60 % dans tous les projets de Petrolia en plus de ça. Ben, ça finit par être un projet gouvernemental, le forêt à Gaspésie. Puis ça, c'est pas nommé, mais ça fait que ben, la police ici, ici à Montréal, comme en Gaspésie, s'interpose quand on s'en va dénoncer ces situations-là, puis intervenir pour que ça... Hey. Reculez. Vous touchez au nom de quoi, là? Au nom de ma sécurité et intégrité physique, reculez. Je suis un actionnaire de la reculez. Je suis supposé avoir le droit de rentrer. Il n'y a aucune raison de vous bloquer. Parce que, pas de problème. Vous allez avoir votre réponse, je vous demande juste de reculer. J'ai pas besoin d'une réponse, je l'ai déjà ma réponse. Comment ça qu'il y a des flics qui m'empêchent d'accéder à une assemblée d'actionnaires ici, aujourd'hui? On vous a tous répondu. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une réponse valide qui est sortie de la bouche depuis cette fois ici. Vous avez parlé de mon scorecard, c'est tout ce que j'ai. L'empêcher de rentrer. L'empêcher des citoyens, actionnaires. Des journalistes aussi. Des journalistes aussi, ça l'a l'air. Au service de Petrolia ou la société? Murder. Moi, j'ai pas d'affaire à l'identité à la police si je suis en état d'infraction, j'ai l'affaire à l'identité au gars en haut. C'est là qu'on attend. Merci. A été vraiment limité. J'ai essayé de poser le maximum de questions dans le minimum de temps que j'avais. J'ai essayé de poser des questions qui avaient des réponses très précises. Ces questions-là dérangeaient. J'ai demandé quelle proportion du gaz naturel qui allait exporter avec le nouveau terminal de Pierre-Idée à Goldboro provenait de fracturation. Puis le président de Pierre-Idée Energy m'a dit que c'est 100% du gaz naturel qui va venir de fracturation. Puis j'ai demandé s'il était au courant que le gaz extrait par fracturation générait davantage d'effet de serre que les autres combustibles fossiles, même le charbon. Puis il continuait à affirmer que le gaz naturel est une énergie de transition, alors que c'est juste une énergie qui permet de continuer dans la même voie
qu'on maintient depuis des années. On continue à s'enfoncer dans les bouleversements climatiques avec les inondations qu'on a eues en Gaspésie. Le pont de la rivière Cascapédia qui s'est fait ramasser par les inondations qu'on a eues en Gaspésie. Les infrastructures, la route 132, le quai de Percé. On est hyper touchés en Gaspésie par les changements climatiques déjà. Nos infrastructures, c'est cool. Route, quai, pont. C'est tout en train de se faire ramasser. Puis c'est en Gaspésie qu'on va venir forer pour continuer à extraire ces combustibles-là. Ça n'a pas d'allure. Ça nous touche, on devrait être les premiers à bloquer ces projets-là pour limiter l'effet de ces bouleversements. Thank you.